Ben Barka. L'OTAN, l'Europe et le Vietnam. J'exposerai l'un après l'autre ces sujets et avant de le faire pour chacun d'eux, je demanderai si parmi vous quelqu'un veut me poser des questions à ce propos. Nous allons commencer par les conclusions à tirer de l'élection présidentielle et sur ce sujet-là, je demande si quelqu'un d'entre vous désire me demander quelque chose. Quelles étaient les principales questions que je me proposais de traiter et pour le moment il s'agit de l'élection présidentielle sur lesquelles, ainsi qu'à beaucoup d'autres, qu'on pourrait d'ailleurs se poser en même temps. Ce qu'il faut considérer d'abord dans cette affaire, c'est que le ministre de l'Intérieur du gouvernement marocain, gouvernement qui, on le sait, s'est trouvé plusieurs fois aux prises avec de graves crises intérieures. Ce ministre a, tout l'indique, procédé sur notre sol à la disparition d'un des chefs, d'un des principaux chefs de l'opposition. Cette affaire marocaine en est donc une, aussi, entre Paris et Rabat, parce que la disparition de Ben Barka a eu lieu chez nous, parce qu'elle a été perpétrée avec la complicité obtenue d'agents et de membres des services officiels français et avec la participation de truands recrutés ici. Et puis parce que, en dépit des démarches du gouvernement français, des mandats et des commissions rogatoires lancées par notre juge d'instruction, le gouvernement marocain n'a rien fait pour aider la justice française à établir la vérité, ni pour la révéler en tant qu'elle le concerne. Et d'ailleurs, comment l'aurait-il fait ? Puisque Oufkir s'est toujours gardé, et pour cause, de s'expliquer sur ses allées et venues à Paris et aux environs, et qu'il est toujours ministre à Rabat. En somme, il y a eu en territoire français intervention directe d'un membre du gouvernement marocain, et ce gouvernement n'a rien fait pour justifier, ni jusqu'à présent pour réparer l'atteinte qui a été ainsi portée à notre souveraineté. Il est donc inévitable, quelques regrets qu'on en ait, que les rapports franco-marocains en subissent les conséquences. S'il est apparu, d'autre part, qu'en ce qui concerne les services intéressés, il y avait quelque chose à rectifier. Ce quelque chose, c'est dans leur fonctionnement la trop grande latitude souvent donnée à des exécutants. Je dis latitude trop grande et d'autant plus que les nécessités professionnelles amènent agents et policiers à se servir d'indicateurs de toutes les sortes, y compris les pires. Il y a eu en même temps la ruée vers la revanche des milieux qui, du temps de Vichy et à l'époque de l'OS, ont eu à pâtir des réseaux qui ne s'est en effet que pendant la guerre, pour lutter contre l'ennemi, pour noyauter et pénétrer ses auxiliaires, la résistance a utilisé des groupes spécialisés. Partie de la presse
travaillée par le ferment de l'opposition politique, attirée par l'espèce d'atmosphère à la Belphégor que créent les vocations des mystérieuses barbouzes, et professionnellement portée à tirer profit, c'est bien le cas de le dire, de l'inclination de beaucoup de lecteurs pour des histoires qui rappelleraient celles du gorille ou de James Bond ou de l'inspecteur Leclerc, etc., une grande partie de la presse s'est lancée sans ménager rien dans l'exploitation de l'affaire. Et je crois, rien ne peut faire qu'une loi s'impose sans amendement quand elle n'est plus d'accord avec les mœurs. Rien ne peut faire qu'un traité soit valable intégralement quand son objet s'est modifié. Et rien ne peut faire qu'une alliance reste telle qu'elle quand on changeait les conditions qui étaient celles dans lesquelles elle avait été conclue. Dans ce cas-là, il faut adapter aux données nouvelles la loi, le traité, l'alliance. Si on ne le fait pas, alors les textes seront vidés de leur substance et ce ne seront plus, le cas échéant, que de vains papiers d'archives, à moins que il ne se produise une rupture brutale entre ces formes désuètes et les vivantes réalités. Eh bien, tiens, la déclaration d'intention qui donna lieu à l'Alliance Atlantique, conclue le 4 avril 1949 à Washington. Si la France tient cette déclaration d'intention, cette alliance, toujours pour valable, elle reconnaît en même temps que les dispositions d'application qui ont été prises successivement et par la suite ne répondent plus à ce qu'elle juge en ce qui la concerne satisfaisant dans les conditions nouvelles. Je dis les conditions nouvelles. Et responsabilité que leur nature et leur dimension rendent évidemment inaliénable. Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Par conséquent, la France, sans revenir sur son adhésion à l'Alliance Atlantique, la France va d'ici au terme fixé comme ultime aboutissement de ses obligations, et qui est le 4 avril 1969. La France va d'ici là continuer à modifier les dispositions actuellement pratiquées pour autant que ces dispositions la concernent. Autrement dit, ce qu'elle a déjà fait dans certains domaines hier, elle le fera demain dans d'autres, en prenant, bien entendu, les dispositions voulues pour que les changements s'opèrent progressivement et pour que ses alliés ne s'en trouvent pas soudain et de son fait incommodés. Et d'autre part, elle se tiendra prête, suivant ce qu'elle a déjà... qui ont eu lieu à l'occasion de la visite de répondre à une question qui touche en réalité, vous ne me contredirez pas, aux affaires américaines. Je vais parler du Vietnam en tant qu'elle est une affaire mondiale. Anéantir toute résistance jusqu'aux extrémités de la Terre. Il n'y a pas d'autre voie pour mettre un terme à cette guerre
que de conclure la paix entre tous les intéressés. Ces intéressés sont connus. Ce sont ceux qui se trouvèrent d'accord à Genève en 1954. Les conditions de cette paix sont connues. Fondamentalement, c'est l'entente et pour commencer le contact entre les cinq puissances mondiales. La France ayant pour sa part déjà organisé dans ce sens ses relations extérieures. Vous comprenez ce que je veux dire. Et localement, les conditions de la paix, c'est la fin de toute intervention étrangère et par suite, la neutralité du pays. La France, après expérience, y ayant naguère souscrit en retirant ses troupes et ne s'en trouvant aujourd'hui que mieux. Si la paix était un jour conclue, ce serait sans aucun doute avantageux pour tout le monde.